Hello. Welcome to the stream shield. Alors là, on construit bêtement, hein, je vous dis tout de suite. Ça avancera pas vite. Voilà. Tout de suite, il y aura une pause pendant le stream, quoi qu'il arrive. Hein. Alors, où en est-il? De nombreux visiteurs ont faim et ont soif. J'ai collectionné toute une série de néons arrondis. Voilà, si j'en ai. Des 45 degrés. Si j'avais des 90 degrés, ce serait top. Pas rêvé. Bon, du coup, on va tricher un peu. Salut SD, SDX. Comment vas-tu? Ça roule? Ils sont en train de faire une planète toaster. Alors je vais devoir faire des maths et j'adore ça. Ça va être tranquille. Ouais, c'est l'heure des maths. Bah ouais, parce que je vais devoir faire des maths pour positionner ce truc et à chaque fois je me plante. C'est beau. Je crains un peu le pire. Mais bon, on fera avec, hein. On va y arriver. Déjà, on va changer la couleur du néon parce que. Je les veux pas rouge. Je les veux bleu foncé. Donc ça c'est des néons en fait que j'ai récupéré. Petites néons qui sont pas dans le jeu à la base. Et qui donc nécessitent. Forcément, un placement précis, pas casse-pied du tout d'ailleurs. Merde. Ah, oh, ça va me saouler. Alors l'idée à la base c'est de faire un petit se positionner autour de ça.
vegan. Les trucs sont trop grands. Donc du coup ça va pas être tip top. Alors quoi de neuf avec ça? Tranquille la fin de soirée. Alors, comme je disais en intro du stream, même si il n'y avait personne quand même, c'est il y a 10 minutes, je vais faire une pause d'ici un quart d'heure, 20 minutes pour aller manger. Voilà, à part ça, il n'y a pas de problème particulier. Ouais. L'heure des maths. Alors là, ça pourrait être pas mal. De la touche I en même temps et là bah, il va falloir s'amuser. Je sens que ça va pas aller chez moi encore. Oh, voilà. Non, ça n'en veut pas. C'est le néon que je veux pour la pièce. Évidemment. C'était trop simple hein, si tu avais marché du premier coup. Touk. Voilà, la moitié de la figure. Là. Total. Voilà. C'est beau, mais c'est pas centré. Je sens qu'on va galérer à faire ça. Je m'étais dit que des néons au départ, ce serait plutôt une bonne idée. Pour une zone future. Le problème, c'est que... Je ne suis pas si bien que ça. Donc j'ai 8 éléments. C'est bon. J'ai tout le monde. Hop.
est plutôt pas mal. Donc l'idée, ça va aller mettre un truc en dessous, en arrondi. Faut pas hésiter à parler, hein, n'hésitez pas. Hein. Comme le dit si bien mon chat, je ne mords pas. Angle de 4 mètres. Alors, je suis pas sûr d'avoir plus grand. Est-ce que j'ai du 8 mètres? Si je peux utiliser ça éventuellement. Alors, du coup, tac. En fait, ouais, c'est du 4 mètres x 2, donc ça fait du 8 mètres, tout à fait. J'aime les maths. J'adore faire ça. C'est impressionnant. Alors, du coup, en rouge, c'est pas mal. En idée, c'est qu'il y a une zone futuriste. Hein, donc là, il y a l'air de quelque chose du futur. Hein, comme si c'est pas du futur. Hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est sûrement un truc du futur. Un genre de bouboule du futur, une connerie comme ça. Okay. Ouais. N'hésitez pas à papoter, hein. N'ayez pas peur. Hein. Hop là. Level up, bravo pour le level SDX. Hop. Je peux mettre un escabeau. Vachement utile un escabeau. Bravo. Alors, pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de fabriquer, je fais une zone du futur. En fait, faut pas s'étonner si c'est futuriste, hein, c'est l'idée justement. C'est de faire un truc dans le futur. Alors, le truc, c'est que je veux faire quelque chose de nuit, soit quand même potable. Comme j'ai toute une palanquée de systèmes de néons, j'ai dit faire un truc avec des néons, ça pourrait être sympa poche. Là, j'ai mis des effets électriques. Alors, j'ai aussi de la fumée. Bon, évidemment, la fumée, ça rend pas si bien que ça de nuit. Et de jour, ça permet de mettre du volume. Et là, je suis en train de voir pour améliorer un peu les éclairages. On va dire nocturne, parce que là, pour le moment, pas terrible, terrible. Hein. Mais bon, on s'améliore hein, tout doucement. Donc, on va rallumer la lumière, hein, parce que sinon on y verra que dalle. Donc j'ai détourné des tubes d'un thème Mario téléchargé sur Workshop pour faire de la déco. Noriel est temporable. Fallait l'inventer ça. Donc du coup ouais l'attraction s'appelle Enoriel. En hommage à Enoriel qui a une sub ce jour-là. Et qui donc a gagné le droit d'utiliser son nom. Une attraction. Je suis pas sûr qu'elle était réellement d'accord, mais c'est pas grave. Ils sont au courant, elle était là quand on l'a fait.
Voilà. Et donc cette attraction est dans la zone future du parc. Et elle est donc basée sur une thème, bah, forcément du futur. L'idée est d'être le plus futuriste possible. Voilà. Un rouge bien rouge. Hop, alors un petit support. Retour du support volume 37. Hop. L'idée, bien sûr, c'est de faire un truc qui soit intéressant d'un point de vue attraction. Alors là, le truc, c'est que ce décor-là, je sais pas du tout comment le goupiller, parce que le futur et moi, c'est vraiment pas... Et je confirme définitivement que c'est pas ma tasse de thé. Hein. Alors l'herbe, c'est peut-être pas non plus le thème le plus adapté. Hein. Donc du coup, on va voir si on peut changer ça. Mettre un truc genre poplo, une connerie comme ça. Ça c'est de la pierre. Encore de la pierre. Une cuisine. Di-da-da-da-da. Il y a ce genre de truc là qui pourrait être utilisé. Je l'ai pas fait exprès, mais ça tombe bien. Alors l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de top futur. Hein. N'hésitez pas à donner un avis sur la question, hein, si vous trouvez que ça fait pas tant futur que ça. N'hésitez à me le dire, parce que à la base... Je veux faire un truc futuriste, mais si ça fait pas futuriste, faut pas que j'insiste. Alors voilà ce que ça donne de nuit. Alors, évidemment, ça manque de lumière. Idée.
pouvoir faire un tour complet. Qui gratte. Non. On fait la montée de base. Ça grimpouille, ça grimpouille. Et là, on descend. Efficace quand même. On passe le truc solaire. On revient dans la zone du filtre. Donc il peut du tout te mettre au final. Elle est clairement pour finir justement. Je sais pas si du coup il faut foutre toute la zone ici en mode sol du futur ou pas. La limite, on peut prolonger l'expérience ici. Avec une grille beaucoup plus petite. Safe qui fout le bordel, évidemment. Pas mal. Alors ici il n'y a rien, donc je peux éventuellement construire un mur de fond. Histoire de terminer la déco intérieure. Ouais,
je vois pas comment on goupille dessus. Diagonale. C'est parfait ça pour faire ma tour de décoration.
Alors, chtouk, 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 chtouk. Du futur. Ben voilà, c'est parfait comme ça. Ça crée un petit contraste. Hein. Question est qu'est-ce qu'on va utiliser pour décorer ça? Alors du coup, voilà, elle est bien là comme ça, je trouve. La lampe. Ou la zone. En fait, je suis en train d'essayer de faire une zone un peu fermée ici, où on serait enfermé dans le truc. Ça va pas forcément être compliqué à faire, du tout, j'ai pas raté d'allumer les effets. Après, je peux utiliser des trucs décoratifs. Bah, disons que ça me met dans l'ambiance en général. Après, elle n'est pas vraiment fermée parce que le trajet du manège se fait dans le rond central. Là. Mais faire un effet où il y aurait des trucs comme ça un peu partout. Je sais pas si je refais des bobines Tesla à côté ou pas. J'ai pas vraiment de bobine Tesla non plus. Du drive. Ça fait un truc basé sur des poutrelles. Ça peut être sympa hein, dans le thème. Hop. Alors, du coup, c'est pas super lié, hein, mais. Alors, on va rester dans le thème du rouge. Est-ce que c'est droit? Oui. Il me faut de la poutre.
métallique de préférence. Alors, tic tac 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 tac. Ah, j'ai ça aussi, Metal Circle, Metal Wall. C'est pas intéressant ça. GG pour le level là. On va utiliser ça, des sheets de métal. Là, je trifouille un peu. Hop, tac, tac. On va en faire une zone comme ça. Là. T'as pris l'émoticône. Tu as bien fait. Alors, si c'est via les points de chaîne, tu vas l'avoir temporairement. Alors, en définitif, il faut s'abonner. Après, en définitif, le temps d'abo, bien sûr. T'étais pas abo, toi, mais j'en vais encore. Hein. Mais merci pour l'avoir, pour l'émoticône. Ouais, c'est de l'émoticône un peu perso. Hein. Le fait que c'est du rappel de mes anciens amours. Alors, c'est un Amstrad CPC sur l'émoticône. Je sais pas si tu connais cette machine. Les Amstrad, c'était des anciennes bécanes. De l'ancien temps. L'idée, c'était d'avoir des machines. Je voulais faire un truc un peu original quand même. Et je me suis dit, bon allez, bon t'étais pas né, mais bon, ça peut te rassurer. Moi j'étais né, mais c'est pas pour autant que je l'ai beaucoup utilisé à cette époque-là en fait. Après, si t'as connu la NES, c'était à peu près la même époque. Hein. Clairement, la NES, c'est quasiment au même moment. En fait, la NES et l'Amstrad sont quasi voisins. C'est deux consoles. Enfin, deux consoles. L'Amstrad est un ordinateur. C'est quasiment les deux. Du 8 bits. Hein. Donc, du coup, ben, les ordinateurs 8 bits de l'époque ou la NES, c'est un peu kiff-kiff bourricot. Donc, à l'occasion, je vais en streamer un petit peu parce que ça se stream encore. Hein. J'en fais de temps en temps. Enfin, je sais pas si tu suis tu viens de chez Eno à la base. Donc alors j'étais sûr que l'Amstrad était bien là. L'Amstrad c'est 1984 jusqu'à on va dire ouais un bon 95 à peu près. Pourquoi 95? C'est que la machine a survécu pendant longtemps. Elle survient encore aujourd'hui, c'est une scène phénoménale au niveau des gens qui jouent encore sur l'émulateur ou même sur vraie machine, parce qu'il y a encore pas mal de monde qui a la vraie machine. Moi, franchement, je serais bien intéressé par l'idée d'en récupérer un jour, mais bon, j'aime beaucoup ce système. Ouais. J'avais oublié que j'avais gardé ça, les piliers. Non, j'ai du steam pipe. Mais non, l'Amstrad c'est pas si vieux que ça. Hein. C'est pas si vieux, je veux dire, c'est pas vieux par rapport à... ce qui se fait dire aujourd'hui, quand même un peu vieilli, hein, se l'aurait.
Mais bon. C'est une machine de cœur, comme on dit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, je lis le chat. Je suis juste en train d'essayer de poser ces poteaux un peu correctement. Je suis étonné, notre frite est toujours pas arrivée. Hein. Tac. Donc là j'ai fait un style poteau, ça rend pas mal, tout a un peu vieilli au final, parfois les anciens jeux me manquent. Ah, sur Amstrad il y a quand même des très bons vieux, même si c'est vieux, quand même quelques très bons jeux, hein. Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette époque. Moi j'ai appris à programmer sur cette machine, donc c'est pour ça que j'ai encore j'ai fait cet émoticône à la base. C'est la première machine où j'ai joué, c'est la première machine où j'ai appris à programmer, et du coup bah forcément ça reste intéressant de voir ça, quoi. Moi j'y joue encore de temps en temps avec l'émulateur, en fait, donc j'aime bien. Dans le thème, mais bon, stéroïde, utiliser de l'astéroïde, mais bon, ouais, c'est encore à la limite. Tic, tic. Histoire de dire, voilà, il y a de la pierre. Ouais, ça a un peu vieilli, mais bon. Après, tout n'est pas à garder non plus, même sur Amstrad. Hein, après, le jeu qui est dessiné sur le sur la surface, enfin, sur le truc, c'est Rig Dangerous, qui est un excellent jeu de plateforme. Alors, très difficile, parce que comme tous les jeux de l'époque, relativement dur. À l'époque, c'était quand même un des jeux les plus compliqués de l'époque, mais bon. Moi qui joue exclusivement sur console, je joue plus à ma GameCube qu'à mon Xbox One, car je trouve que les jeux d'avant avaient un vrai but à faire un saut. C'est pas qu'ils avaient un vrai but, c'est qu'il y avait une vraie fin. En fait, les jeux d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fin. Il y a bien des jeux qui ont des fins. Par exemple, Cyberpunk, j'ai vu que ça se limitait à fin à finir un jour, mais ça se limitait à. A fait marque un message, bienvenue dans la fin du jeu. Bon, ça donne pas spécialement envie de finir le jeu, quoi. Ceux qui disent bah, j'ai fini Cyberpunk, oui, ok, super, mais t'as un magnifique message. Il te dit bah, voilà, j'ai terminé le jeu, hein, merci d'être venu. Ouais, ok, bon, soit. J'avoue que si c'est ça la fin, ça me déçoit un peu. Ah. Avec, hein. Mais... bien obligé de faire la fin du jeu. Hein. Et à l'époque, les jeux, bah, ils avaient 20, 30, 40 niveaux, et puis on les finissait comme ça, quoi. Ouais, donc ça a changé. Si tu joues sur console, a priori c'est pas l'idéal. Moi je suis sur PC, j'ai pas de problème avec. Mais j'ai vraiment pas de soucis sur Cyberpunk. Par contre, il y en a qui ont des. Il y en a qui l'ont sur console et qui disent bah oui, au fait, c'est pas top top, quoi. Après, ouais, bon. Versé sur le pourquoi du comment, on en est au patch 1.1. A priori,
l'air d'aller. Maintenant, on arrive à ce que le truc fonctionne. C'est déjà une évolution en soi. J'avoue que le fait que ça marche, c'est quand même un bon point. Parce que de base, ça ne marche plus. Quoi. Ça rend quand même un peu triste quand on achète un jeu et qu'au final il fonctionne pas comme on veut. Un peu ballot quoi. Après, maintenant, le jeu est stabilisé un peu plus, je pense. Bon, après, il y en a qui l'ont essayé et qui ont dit ouais, mais c'est de la merde. Hein. Ouais, il faut aimer le style déjà. Et puis faut pas chercher à prendre le jeu pour ce qu'il n'est pas quoi. Clairement ceux qui cherchaient un successeur à GTA ben, ils se sont plantés hein. C'est pas GTA, c'est un jeu cyberpunk dans un univers cyberpunk avec des créatures punk. Alors, ouais, c'est un peu space comme concept de jeu, mais moi j'aime bien, j'avoue que j'ai apprécié. L'expérience est plaisante. Après, je sais pas du tout pour ceux qui aiment ce genre de jeu, ou qui aiment pas plutôt le genre de jeu, comment ça va se passer, ça. Papa. Ouah, ça rend bien le coup du X, là. Oui. Même si je suis pas sûr qu'on le verra du manège. Mais bon. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des rembarres en néon ici. Allumer la lumière parce qu'on a une lampe, j'ai oublié tout le temps de l'activer, mais on a une lampe d'or. Ah, c'est du gros néon. Planet Coaster, est-ce que vous connaissiez le jeu? Qu'ils l'ont suivi. Level up, bravo SDX. Le cyberpunk, que je peux que te le conseiller. Hein, si t'as aimé, si t'aimes les jeux à mission comme ça, franchement, il est pas dégueulasse. Le mien. Enfin, j'avais dit entre 20h30. Ouais, je suis en live. Mais bon, en plein est un grand mot. Ah, ça rend pas mal. Ouais, je sais, je surveille. Tu avais prévenu que ça serait peut-être pas. Maintenant, il reste plus qu'à faire un petit peu d'éclairage avec la toile. Ce sera parfait. T'es pas obligé de crier dans le micro, tu sais. Non, il y a une tête qui c'est un truc. Mais j'essaie de mettre sur la vidéo, mais. T'as Xbox Series X. Je sais pas, sur Xbox Series X, t'auras pas de problème parce qu'apparemment c'est la même version que pour le PC. Donc il y a pas l'air d'y avoir d'ennui. Donc le coucou c'était The Pain. T'as vu ce qu'il disait. Donc ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir de soucis sur la version Series. Lui, si t'as... Bon, t'as fini tes conneries. Il y en a un qui fait le con. Ouais, c'est perturbant, hein. Salut. C'est perturbant, un Penthouse sauvage qui est paru. Pas où il va le spot, mais en tout cas il éclaire foutument bien. Moi qui t'a vu. Ah. Ah, ça rend pas mal du tout en fait. Je crois qu'on va garder ce truc.
à s'arranger pour qu'il colle un peu mieux au décor. Là, il colle au décor. Alors, roue chromatique. C'est un spot pour évader de prison. Bah écoute, oui, effectivement. Alors, dans Planet Coaster, le gros défaut, c'est qu'il y a des spots qui sont parfois un peu louches. Là, en l'occurrence, celui-là en fait partie. J'ai un spot qui fait kilomètres. Donc, ouais, je suis un peu étonné de la puissance du bestiau, mais bon, c'est pas grave parce qu'on va tricher. Mais je vais faire un spot tendance grisé et un spot tendance bleu. À part ça, ça le fait, ouais, c'est le cas de le dire. Je trouve que franchement, ça le fait. Alors, je sais pas ce que ça va donner en jeu, mais honnêtement, il est joli ce spot. Ça classieux comme style. Alors du coup, on va tricher encore un peu, on va en mettre un troisième. Tac. Tac. Hop. Alors le positionnement, c'est toute une science, hein. Voilà. Alors je triche un peu hein, parce que voilà, ils sont pas très beaux ces spots, mais par contre le truc c'est que ouais, ils sont quand même classe au niveau de la couleur finale, on va dire. Donc on va les mettre en noir histoire qu'ils soient pas. On met un noir, un blanc. Le dernier en noir aussi. Ce sera plus discret. Et honnêtement, vu d'en bas ou vu de loin, c'était très futur. Le retour des maths, ben ouais, obligé. Hein. Alors, du coup, je sais pas ce que ça donne en ride. Ah. Il prend pas d'agent pire. Pas grand monde dans son manège. Yeah, on ride. Ouais, je suis pas payé mais on ride. Pas pour l'instant en tout cas. Alors il y a des streamers qui disent faut payer. Bon, je les comprends hein, pour ceux qui ont beaucoup de viewers. Il y a des streamers Planet Coaster qui stream ce jeu et qui ont de 15, 30, 40 personnes. Donc, si tu demandes du on ride sur des 40 personnes, je peux comprendre. Mais bon, après j'ai tendance à faire du on ride en direct. Et là, en l'occurrence, mon bras, il l'avait d'office. Quoi. Bon, par contre, j'aimerais bien qu'il se lance, mon image. C'est mal. Je fais des lives, j'ai pas. J'essayerais pas de les rappeler, nous. Et ça tourne, mon on ride. Bon, alors, je le fais de nuit, le ride, hein, parce que je veux tester mes lumières, donc. Putain, ça rend bien. Je sais pas si ce sera super efficace. Attends. La déco passe bien. Je viens de passer dans le rayon de violet là. Hop, on y va. Ah, donc les poteaux lumière là, c'est. Tuerie. Je lâche en gros spatial. Et on arrive. Ah, voilà, première partie du décor, parce que c'est validé. Mais il reste une partie de déco que j'ai pas faite, mais je peux pas. Comme là, ici, il n'y a rien pour l'instant. Bon, on avisera pour essayer de faire quelque chose. On est quand même parti d'un manège qui était quasi pas thématisé au départ. Mais honnêtement, la zone, elle rend bien.
Bon, évidemment, le décor, on le voit quasiment pas. C'est vraiment pour le fun, parce que le X, là, je suis pas sûr qu'on ride, on le voit beaucoup. J'ai pas fait plus attention que ça, mais j'ai l'impression qu'on le voit pas, en fait. Donc, comme on arrive de là, on descend la grande brique ici, on passe la... Oh, si, on devrait le voir un peu quand même. Les rayons rentrent bien, ouais, je suis d'accord avec toi, les rayons rentrent bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est l'effet que ça fait sur le sol. Bon, après, c'est des gros rayons de trucs de prison, comme tu dis. Ça fait très truc de prison, mais bon, avec, hein. Et de jour, ça rend pas mal aussi. Voilà. Évidemment, de jour, il n'y a pas d'activité sur les spots, mais... m'emmerde quand même à faire de la théma sur un manège utilisé en parc de démo comme ça. Pas mis une tonne de déco non plus. Là, le gros du circuit est cantonné. Ça fait un peu penser au Rock'n'Roller Coaster, énorme, quoi. Ouais, ça manque clairement de théma ici. Hein. La petite file de sortie. J'avais thématisé l'entrée. Pas beaucoup, mais pareil, juste ce qu'il fallait quoi. Ici, ce qui fait que du coup, de nuit, on a une théma sur l'entrée. On a la gare qui est plutôt éclairée comme il faut quand même. Après, on a le circuit lui-même qui commence à être pas mal niveau lumière. Ici, il manque quelque chose, hein, c'est évident, mais pas si je fais genre fontaine ou quelque chose comme ça. Et la zone elle-même, ben, elle rend plutôt pas mal. Hein. Parce que ça donne vue de loin. Donc ça, c'est l'entrée. Alors on voit le poteau en haut avec le nom de l'attraction. Apparemment, c'est pas censé être une zone avec juste un manège là. Il y aura normalement un autre truc, je sais pas encore quoi. Mais... si on arrive sur la zone avec le sapin et les petites arbres et la fin de circuit de l'autre côté, je sais pas encore ce qu'il y aura ici. Là, c'est pareil, comme il n'y a pas de déco, forcément, c'est encore au point. Non. Bah voilà. Tu vois les frites? Ouais, bah c'était l'idée de faire un truc industriel futuriste. Ils sont là, Lou. C'est toi qui vas? Hop, attends, je vais prévenir. On arrive. Alors. Je reviens. Il y aura une chute.
Hop, re tout le monde. Comment ça va? Moi j'ai mangé, ça fait du bien. Moi j'ai oublié de mettre la pod, désolé. Ah, je sais, j'ai l'air bête. Pam pam. Du coup, ça fonctionne. Tada. Bon, du coup, il y a un problème de vendeur. Ouais. J'ai des boutiques qui ont perdu leur vendeur en cours de route. Oh, ça va là, c'est pas une hécatombe. Là. Hop, voilà. Tout va bien. Il y a une oreille qui est encore en panne, comme d'habitude. On va embaucher un nouveau mécano. Hop. Voilà. Donc, je vous laisse admirer cette magnifique zone. Je suis finalement pas mécontent de l'effet. Salut Frisou. De retour sur Frisou TV. Frisou TV, Frisou, il va bien. Comment il va Frisou? Depuis tout à l'heure. Essaye d'ouvrir cette boîte. Ça va, ça va. Et moi, tiep. Ça va aussi. Moi, je viens de finir de manger. J'avais reçu mon colis. J'ai oublié de mettre le stream en pause. Du coup, ben, pendant 5 minutes, on a pu observer une oreille qui tourne. Donc, une oreille, c'est l'attraction. Donc du coup voilà. C'est l'attraction de la muerte. Donc c'était l'attraction thème science-fiction qu'on avait fait l'autre coup. En version pas finie. Et puis maintenant est terminé. Enfin terminé. Presque terminé parce que c'est pas encore fini. Mais bon. Disons que pour l'instant, ça avance bien. Et Noriel a fait l'objet de réparation. Ça m'amuse toujours de lire ce genre de conneries. Elle est en panne. Ça me fait rire. Ouais, je rigole avec rien. Elle est cassée. Elle est cassée pour la réparer. Ah, c'est pas toujours très joli, une énorielle. Ils sont. Ah, du coup, je regarde un peu ce qui se passe. On n'est pas super nombreux, ça. Mon Dieu. Couleur du stream. Couleur. Donc du coup, ouais. C'est calme partout. Ben, j'ai quand même pas mal de monde qui stream ce soir. Bon, au revoir. Je vais laisser en moto. Squeezie et Gotaga, oui, mais ça, moi, Squeezie et Gotaga. Je t'avoue, franchement, je ne surveille pas ce qu'ils font. Honnêtement, c'est pas trop mon. C'est pas que c'est pas mon kiff, je regarde de temps en temps. Mais ces streamers-là n'ont pas vraiment besoin de public, on va dire. Ils ont un monde fou d'origine. Et Wakino, elle stream passe. Je suis fatigué. Je me fais un after eight en dessert.
Ça, c'est genre un super. Bon, bah, c'est bien. Je savais pas qu'on pouvait diffuser des films maintenant. Bah, ils bouffent tout, oui et non. Je pense qu'on n'a pas le même public. Les gens qui viennent sur les petits streamers comme moi ou comme Planet Coaster en particulier, parce que Planet Coaster c'est particulier. C'est soit qu'ils nous connaissent, soit qu'ils aiment bien le jeu et ils vont pas forcément sur ces gens-là. Ce qui a eu de marrant, c'est qu'à une époque, il y a un gars like Squeezie Like qui a fait du. Un français, je sais plus lequel, qui a fait du Planet Coaster et pendant 3 semaines on a eu un monde de ouf sur Planet. Si tu streamais du Planet, t'avais des gens qui se pointaient. C'est étrange. Bon, ils ont une certaine influence, on va dire. C'est logique, c'est des influenceurs. Mais ouais. En gros, ils ont changé le game par rapport à ça, quoi. Bon, en dehors de ça, hop, oula. Ça a la gouille. En dehors de ça, ben, j'ai pas spécialement de problème pratique avec ça. Alors, du coup, on va essayer de faire un habillage pour ces poteaux. Ils sont particulièrement laids. Le nombre de nouveaux streamers, c'est l'effet confinement. Moi, j'ai commencé avant, donc ça fait déjà 2-3 ans, voire un peu plus, que je stream régulièrement. Le passage au début, une équivalent 56K, là. Maintenant, je suis en fibre, donc ça va, c'est correct. J'ai pas plus de monde pour autant, mais bon. Ça commence doucement, puis j'ai fait l'affiliate, du coup. Pour dire d'avancer un peu sur le statut, bon après, comme tout, hein, on n'est pas des bêtes, hein. Échafaudage. Il faudrait du gros poteau. Ouais, quoi, ça te fait peur qu'il y ait des nouveaux streamers? Moi ça me fait pas peur, je me dis que c'est sympathique. Puis bon après, si ça lance des gens dans le truc, bon. Pas se plaindre non plus d'avoir des nouveaux. Regarde, j'ai bien mon ami de Paint House qui s'est décidé à démarrer. Bon, même si c'est complètement. Voilà, il fait de la peinture, mais c'est ça passe quoi. Je veux dire, c'est pour des sujets comme ça, sans pour autant se prendre la tête à le faire. Faut pas se prendre de chou pour streamer, et puis voilà, après, on s'amuse, on est là pour ça donc. Voilà, après, ceux qui font ça en pensant qu'ils s'amuseront pas. Bah, du coup, forcément, ça va moins bien. Pam, 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 pam. Ça m'embête. Truc chiant. Ça me va, plus il y en a, plus j'ai de commandes. Ah bah oui, forcément. Travaille dans quoi toi déjà? Tu l'as dit, mais. Tu me rappelles plus. Ah t'es en sono toi, il me semble. Informaticien pour la région et le week-end événementiel. Oui, je me disais bien, tu avais une histoire d'événementiel. T'en as encore parlé tout à l'heure, donc. Et quand tu dis événementiel, ça veut dire que tu fais du. Dans mon souvenir, tu fais de la sono, tu fais du week-end réellement, quoi. Après, l'événementiel, c'est large aussi, non? Hop, voilà. Ça, c'est pas droit. Tac. Donc, j'aime pas quand c'est pas droit. C'est pas plaisant.
animation commerciale. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, il en faut aussi. Hein. C'est de l'animation commerciale en centre, alors que tu fais. Ok. Dans le champ, des choses comme ça. Je devrais pas citer les marques, mais bon. Après, on est sur un petit stream. Hein. Après, moi, pour moi, c'est plus des concurrents, mais bon. Pas sur tous les créneaux, donc ça va. Hop. Okay. Hop là, voilà. T'es beau comme un camion. Hop. Alors, l'idée c'est de faire une déco future, hein, je me rappelle. Donc, on est toujours dans le thème futuriste. Hop. Alors du coup c'est calme parce que j'ai pas mis de musique, parce qu'il paraît que le truc musical que j'avais trouvé, ben, d'après Eno justement, il ne serait pas complètement free. Bon, après, sur le principe, là, je suis en stream calme. J'essaye de faire quelque chose de simple, chill. On avait deux gros machins de lavage auto. Touk. Non. La mise en lumière pour la nouvelle voiture du Lion. Effectivement. Ma foi. Ah, l'événementiel, ça touche à tout, hein. C'est un peu logique, hein, dans le sens. Ouais. Nous, on l'a fait pour la marque Losange. Une fois. Du temps où on faisait de la sono. C'était il y a quelques années, maintenant. Alors, c'était plus ou moins dans le secteur de Longnes, d'ailleurs. Mais bon, à l'époque, on faisait encore un peu d'événements, mais pas au sens où toi tu le fais, je pense. Mais c'est un peu plus large, je pense, si je me trompe pas. Hop là. Et ouais, maintenant on se concentre sur les ordinateurs et les jeux. Déjà pas de rien. Parce que mine de rien, il y a quand même du taf. Hein. Tic tac. Je sais pas ce qui m'a pris de faire un thème pareil, mais. Alors, on peut accueillir du monde pour jouer, oui, mais pas en ce moment. Là, c'est plus compliqué en ce moment avec le Covid. Mais effectivement, on a une salle de jeu. Dans cette salle de jeu, on peut effectivement accueillir des gens en temps normal pour du tournoi, du Magic ou du Yogi ou des choses comme ça. Mais évidemment, là, c'est un peu compromis ces temps-ci. Donc c'est pas le moment idéal pour faire du jeu de société actuellement, clairement. C'est pas qu'on voudrait pas, mais c'est compliqué. Attention qu'on veut encore pondu un décor de merde.
Oh, ça fait un petit moment qu'on a les échos, qu'on le reconfine. Ça peut être rassuré, et je pense que ça fait déjà quasiment une semaine et demie qu'on s'imagine bien qu'il va y avoir un reconfinement, vu comment ça tourne. Je pense que c'est pas vraiment un gros secret, c'est un secret de polichinelle. On va clairement pas. Ceux qui pensent qu'il n'y en aura pas, à mon avis, ils rêvent un peu. Il va y avoir reconfinement, c'est obligé, c'est. Il n'y a pas le choix. Donc pouvoir reprendre les collections de BQ dans pas longtemps. Bon, je blague avec ça, mais j'ai un mauvais souvenir du premier confinement où c'est clairement parti en cacahuète avec la plupart des gens dans les magasins, entre autres, parce que c'était n'importe quoi. Mais bon. Parce que malheureusement, ils vont bien être tentés de faire la même chose. À des animaux, oui, on peut comparer ça au monde animal, oui, c'est pas faux. Mais c'est surtout l'inconscience des gens qui a voulu, ils ont voulu faire du stock, alors que bon, on a vu après qu'il y avait effectivement pas de problème de stock. Il y en a eu à cause du comportement des gens. Mais l'homme est un animal comme un autre, hein, donc. Tu dis animaux, c'est pas anodin. Et c'est tout à fait logique, malheureusement. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir utiliser? Ouais, ça peut le faire. Oh, j'aime bien ça. Ouais, pas mal ça. Oh. Du tout. On va essayer de les faire en rouge, histoire de suivre avec notre décor. Voilà. Ah oui, il y a des bruitages, effectivement. Heureusement, hein. C'est un peu l'idée. Alors, Planet Coaster, c'est à la base un jeu de gestion de parc d'attractions. Mais clairement, il y a plus de construction que de gestion. Bah ouais, c'est plus un jeu de construction que. Au jour d'aujourd'hui, la gestion, elle est là, mais pour l'instant, là, je me contente de fabriquer. Je pourrais faire quelque chose de plus gestion pure, mais j'aime bien le côté construction du jeu. Alors les bruitages, tout ça, c'est poussé au maximum, parce que clairement, c'est bien fait, quoi. C'est vraiment bien fait. Je sais pas si tu connaissais le jeu, mais c'est un jeu méga bien foutu. Moi, ce que je voudrais, c'est une grille. Mais bon. Du grillage. Oh, ça peut le faire. Mais bon. Une grillade. Je trouve sympa. Ouais, encore ce que je fais là, c'est moche. Hein. Clairement, c'est pas beau. Mais tac. J'ai fait mieux hein, comme bâtiment, franchement. Là, j'avoue que c'est pas mon truc le plus réussi. Hein. Hop. Bah ouais, bah là par exemple, j'ai plein d'objets qui sont rajoutés. Tous les objets sur fond bleu. Comme ça, là par exemple. Ça, c'est du rajout. Hein. Donc, plein de choses hein, qui sont rajoutées, mais. En l'occurrence, tout ça, par exemple, c'est du rajout aussi. Alors, j'ai maintenant des misères pour trouver le matériel
du jeu original, parce qu'en fait, dans le jeu original, il y a énormément de choses. Mais voilà, j'ai par exemple des trucs de flipper. J'ai rajouté plein de trucs, mais c'est foutoir, quoi. Pour l'instant, j'avoue que c'est compliqué de bien gérer tout ça. Et il y a énormément de trucs, donc... ouais, c'est vraiment bien fait. Je veux dire, même si tu achètes que le jeu de base, à la limite, et que tu dis, bon, bah, j'achète que la base, avec le workshop, il y a plein de trucs à faire. Bon, après, c'est vrai que les objets dans le workshop, maintenant qu'on peut les fabriquer, on peut les dessiner, par exemple... on peut dessiner dans le workshop des trucs en 3D. Donc si tu fais du Blender, par exemple, toi tu fais du Blender, tu disais. Donc normalement tu dois pouvoir concevoir des objets sous Blender, puis les importer dans le jeu. Il semblerait que ce soit jouable. Maintenant j'avoue que j'ai pas spécialement essayé. Hein. Moi personnellement, Blender, ben... s'il y en a un qui achète son imprimante, là, a priori, on va pouvoir tenter de faire du Blender. Ouais, t'étais en train d'y penser. Bah, je t'avoue qu'après, en modélisation d'objets, moi, personnellement, je m'y suis pas essayé. Maintenant, je pense que ça peut être sympa de le faire, parce que il y en a qui préfèrent modéliser les objets plutôt que de jouer. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ils ont même fait de la lumière noire. Bloc en béton, par exemple. Bon, ben ça, c'est des blocs béton qui sont rajoutés dans le jeu. C'était pas de base dedans. J'ai un board game, voilà. Planet Coaster, le jeu de société. Ça, c'est pour les magasins. Il y a des shops. Ça, c'est des poteaux bollards. C'est des poteaux pour les travaux et tout. Ça, c'est une barrière. Bon, il y a plein de trucs. Tu peux faire des objets animés, en plus. Donc, après, il y a des objets du jeu de base, hein. J'ai une boule à facettes, alors ça, la boule à facettes, ça plaît à certains. Donc ouais, après, dans le workshop, j'ai une brochette de... J'ai joué un truc gros barbecue, donc du coup, j'ai pris la brochette. J'ai une brochette d'objets, ce qui fait que bon, on a 3 milliards de trucs. Et ouais, ça, c'est tout ce qui est chaîne. C'est une série de faite par un gars qui a fait toute une série de trucs électriques. Pourquoi ouais, après j'ai un module tournage, donc tout à l'heure on me disait ouais j'ai mis des superbes lampes. Bah ouais effectivement, une méga lampe. J'ai plein de trucs, franchement c'est abominable hein, tout ce qu'on peut trouver dans le jeu. Mais c'est ça que j'aime aussi, parce que le fait de pouvoir avoir plein de trucs. Là par exemple il y a quelqu'un qui m'a fait un cubi. Enfin qui a fait un cubi, pas forcément le cubi. Là, ça, c'est tous les barils qu'on peut utiliser dans un thème futur, comme je suis en train d'utiliser. Ça, c'est les barils d'origine du jeu. Donc, bon, bah, il y en a quand même pas mal, hein. Après, c'est pas folichon au niveau du nombre de choses. J'ai un logo Batman. Donc, ça fait chier à faire le logo Batman. Mais d'un autre côté, voilà, quoi. Ça, je sais pas trop ce que c'est. B-Spin Free Steps, c'est des marques B-Spin, donc ça sent le truc Star Wars. Après, ça peut être utilisé pour plein de choses, parce qu'en fait, tu peux t'en servir et détourner quasi tous les objets. Il y en a un qui a fait un chat, donc là, j'ai un chat. Il n'est pas animé, celui-là. Je suis beaucoup trop animé. Ça, je sais pas ce que c'est des écureuils. Ah, il y a des tas de trucs chelous, hein, aussi. J'ai des boules de Noël. Voilà, ça c'est le genre d'objet qu'on peut trouver. Une horloge, enfin, c'est ma folie les horloges. J'adore les horloges. Cigarette butts, ça c'est quoi? C'est des morceaux de cigarette. Enfin, si je veux pousser le détail jusqu'à avoir des morceaux de... Une bouteille de Coca-Cola. Une machine à Coca-Cola. Donc ça c'est de la pub déguisée, parce qu'en fait normalement dans le jeu il n'y a aucune marque réelle. Donc là, un compresseur. Ça, à mon avis, c'est un skin de Fallout qui a été récupéré parce qu'il a une gueule de truc de Fallout. Un ordi, bon, même si pas tout jeune. En plus, c'est du Dell. Bah, pas bien. Mais bon, le mec, il a pris ça et il en a fait un poteau. Enfin, le problème, c'est que maintenant, j'ai 12 milliards
d'objets plus ou moins abandonnés, plus ou moins faits. C'est pareil, c'est des trucs de route. J'ai des câbles électriques, j'ai des tonnes de choses. Un bureau. Une poubelle, un distributeur de journaux. Une porte bleue en verre. Alors j'avoue, j'ai tellement téléchargé d'objets, parce que là j'ai téléchargé un pack complet que quelqu'un a fait, un gars qui vient régulièrement sur une autre chaîne que je vais voir régulièrement, chez qui de temps en temps quand il est là, mais là il sera pas là ce soir. Ben bref, tout ça pour dire que... Et donc j'ai même un truc pour nettoyer les mains Dyson. Donc là, je suis en train de chercher après un grillage, donc c'est compliqué. Et en fait, ouais, chez ce gars-là, lui, il m'a fait un pack avec 12 milliards d'objets dedans, il y a 1000 objets. Donc j'ai lancé le téléchargement, ça a pris 1 h 30, alors que je suis en fibre de giga. Je peux même mettre un fond vert. Voilà, ça, c'est un fond vert. C'est beau la culture. Le fond d'incrustation. Tac. Le truc incroyablement intéressant. Des bannières. Alors ça, c'est peut-être pas un truc complètement... Or, à mon avis, ça c'était déjà dans le jeu. Après, les trucs en fond blanc, normalement, c'est déjà présent dans le jeu. Des patates frites. Des patates frites, ils n'ont pas envie de s'afficher. Ah si. C'est juste qu'elles sont toutes petites. Des frites. Ouais, j'ai des frites qui traînent par terre. Magnifique. Une gazelle. Voilà, Gazelle de Dobson. Alors, il faut savoir qu'il y a un autre jeu qui s'appelle Planet Zoo, qui fait exactement ce même délire que celui-là. Donc, techniquement, Planet Zoo, c'est une gestion de parc d'attractions. Alors, pour ceux qui ont connu Zoo Tycoon, ben, on prend Zoo Tycoon et on en fait un Planet quelque chose. Donc, bon, Planet Coaster, l'avantage, c'est que ça pousse le réalisme relativement à fond. Surtout quand tu piques des objets du réel pour les mettre pour les mettre là quoi. Petit drapeau. Ouais. Donc là par exemple si j'ai des drapeaux que je peux utiliser pour faire une déco, tac. Alors, je peux les utiliser comme bon me semble. Hein, j'ai envie d'en faire un truc un peu bizarre, genre créneau aussi. Voilà. Après, les couleurs sont très paramétrables. Donc, hop. Là, je peux m'arranger pour que des créneaux en rose. Ou en rouge, ou un truc dans ce genre, voilà. Et puis, voilà, je me retrouve avec une déco... sympatoche. Il faut combien de créatives. Sur un modèle basé sur le futur. Alors, je sais pas s'ils ont été jusqu'à faire bouger les... Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ça. Voilà, on va faire un mur avec ça. Alors là c'est pas du tout prévu pour ça à la base hein, mais bon pourquoi pas hein. Tac. Alors après, Planet Coaster est un jeu qui demande un petit peu quand même d'entraînement. Mais globalement, quand il y a du monde autour, comme là, ou si on fait, on peut faire des petites explications hein, sur comment ça se joue. Etc. Voilà. Donc là, ici, je viens de créer un truc. Si je veux, je peux faire du pixel art. Par exemple, ici, je peux dire, voilà, ici, je vais faire du Space Invader. Alors comment on va faire ça? Tac. On va dire. Dun, 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 dun. Alors là, tac, le dernier, je vais mettre en vert. Là. Ici, on va tous les mettre en vert. Comme. 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 Kobe s'amuse. Bienvenue sur kobesamuse.fr. Kobe s'amuse. Alors ici c'est le troisième, alors là j'ai créé un quadrillage, donc du coup ici je peux faire mumuse et créer une forme. Waouh, c'est beau la technologie. Même Kobe s'éclate à ce niveau-là. Toc.
Alors là, non. La dernière qu'on va changer. Hop, comme ça. Regarde comme c'est bio. Ça sert à rien, mais c'est tellement... tellement inutile et en même temps tellement important. Hop, voilà. Donc on va changer l'avant-dernier. Merde, j'ai réinitialisé le truc. Zut. Flûte. Hop. Donc là, je fais un genre de pixel art à partir de... Bravo coloré. Ouais, je viens d'avoir l'idée, hein, c'est vrai. Donc ici, le dernier et le premier, on va le faire en jaune. Mais là, ici, bon, allez, on va faire un truc en jaune aussi. C'est pas forcément beau, hein, mais voilà. Tada. Et voilà, je viens de créer un bonhomme. Soudain. Le mec, il est heureux parce qu'il a créé un bonhomme. Jumping est en panne. Alors, j'ai embauché des mecs en plus, c'est pas pour rien. Voilà, donc là on met un éclairage qui va bien et puis ça fait quelque chose de pas mal. On va tricher, on va éclairer de l'arrière. Tac. Éclairage. Bon, tu pourras, hein. Avec la bécane. Alors sache que moi je travaille exactement sur ce que j'ai l'intention de te proposer. Donc exactement, à part la carte graphique, parce que là il y a des chances que ce soit une 3090. Même si bon, personnellement je suis sur une 2070 super. Parce qu'à l'époque c'était... Bon, à l'époque ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ma machine elle date de août, donc techniquement... Et pour l'instant, je ne l'ai pris en faute sur rien. Parce que, ben, à l'heure actuelle, je fais un peu de tout avec. Le montage vidéo, mais pas que. Donc, ben ouais. C'est quand même un rude boulot. Là, je vais tricher, je vais poser ma loupiote. Comme ça. On va faire ça comme dans les livres. Hop. Je te dis, tu me fais un bon petit truc qui va pas me pénaliser dans 2 ans. Oh, il n'y a pas de danger. Mais vu sur quoi tu es parti, il y a peu de risques que tu pénalises quoi que ce soit. C'est pour ça que je discute avec tout à l'heure, parce que normalement je ne discute avec pas le soir. Donc là c'est pareil, je fais une exception. Mais habituellement je ne parle pas technique ni boulot le soir. Mais il s'avère que là, bah quoi, j'avais un peu le temps. Donc je t'enverrai tout ça demain. Mais là, en l'occurrence, j'ai déjà un petit peu bloqué mes trucs. Eno t'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit de beau, Eno? Ferraille. Bon, est-ce que j'ai ça? Ah. Qu'est-ce qu'elle a dit, Eno? Hé, il y a des jus de secours. Hop. Bam, 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 bam. Non, normalement, je parle pas boulot le soir. Je fais parfois des exceptions à la preuve. Ah, dis, l'autre soir, j'ai fait une partie, un petit aparté sur une 3080. Que j'avais un viewer qui était parti pour s'acheter une 3080. On ne savait pas le problème. Mais sur le principe, le mec, il partait pas là-dessus pour les bonnes raisons, en fait. Après, c'est pas toujours évident. Savoir vers quoi aller, hein. C'est des fois compliqué, mais bon, dans ton cas, oui, toi, c'est complètement adapté, hein.
Après, je dis pas, la 3090, ce sera un choix d'obligation, puisque tu n'auras pas le choix, vu que... Enfin, pas le choix, entre guillemets. Donc là, actuellement, à part les 3090, j'ai a priori plus rien de dispo. Donc c'est pas que je ne veuille pas fournir des plus petites cartes, mais en fait, voilà quoi. Ça va être complexe de fournir plus petit. Après c'est pas un mauvais choix non plus. Hop. Il s'avère quand même que la 3090 est une carte qui va être tranquille pendant quelques années. Hein. Faut pas se leurrer, hein. Tu vas pas être sur une carte de merde. Hein. Hyper chiant lui à placer ce truc. Alors si t'as déjà fait du dessin 3D, tu verras que Planet Coaster en fait ça se gère un peu comme un logiciel de 3D en fait. Tu viens placer tes éléments un peu comme dans un AutoCAD. C'est même assez rigolo parce qu'au final, t'as l'impression des fois de faire du dessin indus. Moi j'ai cette impression là par quoi planer. Qu'on est sur un truc de planète de choses. Okay. J'aimerais bien trouver mes grilles. Hop, alors où est-ce qu'elles sont? Tellement le foutoir. Donc là, niveau nombre d'objets, comme tu peux le remarquer, on est gâté. Hein, alors ça, c'est tout ce qui est mûr. Rien que là, c'est tout ce qui est mûr en fait. Donc des murs dans des thèmes plus ou moins variés, plus ou moins. Là, j'ai des murs hispaniques, j'ai des murs jurassiques, j'ai des murs en métal, j'ai tout. C'est impressionnant. J'ai même des murs en carrelage. Après, là, on est dans une partie du jeu, en fait, où on joue en mode bac à sable, donc techniquement, on a accès à tout ce qui se fait dans le jeu. Là, j'ai pas de limitation, j'ai pas de recherche non plus à faire. Donc, là, plaster wall, je sais même pas quelle matière c'est censé être. Plaster. Plastique, c'est quoi plastique? Ah, des murs en plâtre. J'avais pas vu ça comme ça. Donc voilà, j'ai même des murs façon dojo en fait, Ertaichu. Donc ouais, niveau facilité, niveau conception, il y a de quoi faire. Hein. Pa, 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 pa. Ouais, j'ai toujours aussi un peu de déco là-dessus, mais bon ça, je m'y attendais. Et puis chercher un truc précis dans toute cette jungle, c'est compliqué. Le mur de maison hantée. Bon, c'est pas là-dedans. Lettre. Lettre bavard, ouais. J'ai une porte chelou. Hop, hop. Ça, ça fait pas très porte utilisable là-dedans. Ouais, ça rajoute quelques portes en fait. Foundry Slate par exemple. Ça, c'est des trucs d'étagère ou je sais pas quoi. On va allumer la lumière. Bon. Ça, ça peut être pratique par exemple en mode science-fiction. Ça, je pourrais m'en servir. Et je t'embête plus avec ça, mais la CG, elle est quelle marque? Alors moi je ne travaille qu'avec des cartes mères, des cartes graphiques soit en gigabyte, soit en Asus, soit de temps en temps en MSI, mais je ne travaille pas avec d'autres marques. La raison est simple, il y a bien des marques qui existent, telles VGA, Zotac, t'en avais, je ne sais plus si c'était toi ou quelqu'un d'autre qui avait parlé de Zotac. Moi Zotac, j'ai une mauvaise expérience avec, on en a vendu quelques années, on a abandonné, maintenant je ne fais plus. Que Zotac, c'est plus ce que c'était. C'était très bien il y a 10 ans, quand ils ont commencé. Puis ils se sont fait, entre guillemets, ils ont vendu leur âme à Rue du Commerce, pour pas le nommer.
Et du coup, ben, malheureusement, je serais tenté de dire que c'est devenu beaucoup moins bien. Après, les autres références, bon, ben, voilà quoi. Ah, les panneaux solaires, bien ça. Oh, bien, je vais utiliser ça. Panneaux solaires. Donc, ouais, je ne reprendrai pas de votre. VGA et compagnie, pareil, marque. Marque de sous-marque en fait, donc c'est pas au point. Enfin, pas au point, je me comprends quand je dis ça, mais je veux dire, j'utilise pas les marques VGA et compagnie où on n'a pas de support derrière. J'aime pas l'idée, même si j'aime pas non plus quand ça tombe en panne, mais ça peut arriver, c'est des choses. Donc si ça tombe en panne, il faut que je puisse faire fonctionner mon support technique et avoir quelque chose qui tient la route derrière. Sachant que c'est pas tous les jours non plus, heureusement. Hein. C'est bien si je veux faire un ride et Menems. Oh, des géants de tunnel, la glace là, ça c'est pas bon. Qui a rajouté des tunnels de glace. Clôture. Je vais toujours pas retrouver mes grilles. Du col. Ouais, mais faut pas t'inquiéter. Je parque très rarement sur des marques comme ça. Ou alors il faut vraiment qu'on me le réclame, mais j'aime pas. C'est pas mon truc. C'est plus fort que moi, on va dire. Après, ça va, si t'es pas choqué par l'idée qu'on puisse travailler qu'avec des grandes marques, c'est bien. Alors, c'est pas un choix de raison, hein, depuis 12 ans qu'on fait ça. Si je commençais à acheter de la merde, je serais pas forcément heureux. Comme je dis, on n'est pas là pour avoir des soucis après et derrière avec le matériel. Parce que si vous avez des soucis, nous on en a aussi du coup. Toute façon, avec l'expérience, on voit bien que cette marque-là fonctionne clairement mieux que le reste. Ne serait-ce que côté ventilation aussi, parce qu'il y a punaise. J'ai déjà vu des Otak superbement mal ventilés. Et j'avoue que ça m'a laissé un petit peu sur le cul au niveau fonctionnement. Hop là. Mi Windows n'est pas d'accord, enfin mon ami Planet Coaster est pas d'accord avec mon choix technique de mettre les grilles comme ça. Oula, ça va pas du tout ça. Hop. Alors, le problème c'est que là on arrive complètement à l'envers à cet endroit-là, donc logiquement. À moins de mettre une grille ici en bas, ça fera pas joli quoi qu'il arrive. Et voilà, ça devrait être pas mal. Bon, on fait une expérience sociale, lol.
Je suis en train de faire un test totalement aberrant de mise en place de ring. C'est tellement joli. J'aime pas. Franchement, j'aime pas ce que je fais là. Voilà. Voilà, on va tricher, on va faire un truc un peu chelou. Bah ouais, hein. Hop. Tada. Voilà. On se dit à demain pour tout ce qu'il y a. Oui, bonne soirée à toi et bon courage. Ben, ma foi, bonne soirée à toi aussi. Et bon courage également. On sait jamais. Enfin, je sais pas si tu fais quelque chose de spécial, mais dans tous les cas, que la soirée soit douce et belle. Et bonne nuit, l'ami. Bonne nuit. Faire de beaux rêves, c'est important les rêves. Ça aide à se construire. Arrête. Hop. On va se la jouer façon. J'ai décidé de fabriquer mon propre truc. Alors. On va garder les deux ensemble. J'ai beau me dire qu'il faut du temps. Erdom. Hop, ouais, donc c'est pas au point mon histoire là. Hop. On va essayer de faire quelque chose de mieux. Tac. Voilà. Donc le support qui est là, il va bouger. Voilà. Lui là aussi. Tac. Tac. Tada! Voilà! Bah écoute, ma foi, on a pas mal comme ça. Alors, on va construire un genre de pont. Ça pourrait être drôle. Tac. Ah, X. Aligné sur l'un, on va faire ça à 30 degrés.
Sésame, 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 ouvre-toi. L'olichon, la saucisson. Hop. Tac. Hop. Voilà, on a une superbe cage. C'est magnifique. Environnement. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme barrière? Un truc un peu futur. Des cailloux. Et voilà, voilà. Là, on va mettre des néons. On aime les néons. Néons. Néons 4 mètres. Ça a l'air pas mal. Et le train qui passe. On est parti.
Ça gagne. Et hop, ça va. Ça remplit. On n'a pas le temps de profiter de la découpe. Oh bah dis donc. Là on profite un peu des spots. Premier tunnel de lumière. Et hop là, direction le truc bizarre. Oui, les tunnels de sous-vision. Et hop, on arrive. Ouais, c'est pas trop mal, franchement. Ouais, ça reste une zone future, hein. J'aime bien le côté petit bonhomme en diamond painting. Pas fait exprès, mais ça y fait presque penser. Photo. Et ça, c'est la zone avec le fouillis de rail. Il faut avouer que niveau rail, on est fourni quand même. La blinde de rail. Toujours ça passe aussi. Ah, c'est très bazar au niveau nombre de rails, mais bon. J'ai frisou pour le level. Et du coup, on passe près du rang. Là, on passe quoi? Ouais. Ah ben, je vais pas là. Hop, on finit tranquille le circuit, on passe dans la cage de bradé. Hop, on sort. Ah, ça va, ouais. Franchement, le côté usine est bien transcrit. En fait, ça va aller, hein. Ça sera pas mal. Bon, ce manège fonctionne bien, hein, visiblement, donc j'ai pas trop fait attention, j'ai toujours 25 000 $, malgré que je fais des travaux à mort, je fais de la déco, donc franchement bien. On va sauvegarder ça, sauvegardons le parc. Passage en mode chat, suivant. Sauvegarding. Hop. Le chat is loading. I am the cat. Alors, du coup, on va lancer le game capture, virer le Helgato. Tac. Voilà, je suis en train de sauvegarder. C'est pour ça que je suis passé en chat. Sauvegarder parc. Zeddy, sauvegarder parc. Île du chêne, sauvegarder. Ok. Voilà, là elle est bonne. Reprendre. Bon, on va retourner au menu principal. Ta-la-la. Voilà. Ça fait 2 bonnes heures de Planet Toaster. C'est déjà pas mal. On va s'arrêter là pour ce soir, hein. Moi sur. Hop. Donc, bah, à tous ceux qui sont passés, merci d'être venus. Pratique d'être passé, merci encore. Ceux qui sont passés sans rien dire, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez follow la chaîne, si ça vous plaît. Je fais des planètes régulièrement, donc comme vous le sentez. Si vous souhaitez le faire, ça fait toujours plaisir. En plus, même si vous revenez jamais. C'est plaisant d'avoir un follow. Donc voilà. Donc le jeu s'est coupé parce qu'en fait j'ai coupé le jeu. Hein. Donc, voilà. Donc là, je sais pas s'il y a encore du monde ou pas, mais voilà. On va quitter tout doucement.
On va soigner un peu. Donc voilà. Donc ben à la prochaine pour peut-être du Planet Coaster, peut-être autre chose. Je pense pas qu'on peut voir Raid parce que je sais même pas s'il y a du monde en route sur Twitch. De toute façon, comme on n'est pas nombreux, ça vaut pas forcément le coup, même si bon. C'est toujours plaisant pour quelqu'un de recevoir un raid. Hein. Alors, tica 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 tac. Qui pourrait raid? En fait, il n'y a pas grand monde qui pourrait être raid. Hein. Il y a du monde, mais bon. Soit c'est comme nous. On est deux. Oui, oui, oui. Bien dormi, hein, super. Donc voilà. Pour ceux qui sont passés ce soir, donc vous aurez votre petit nom dans le générique. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On se lève. On se bouscule. On ne se réveille pas. Comme d'habitude. On peut aller chez Pépé Pizza. Hein. Tu vas des rétros. Tac. Bon, on va aller faire un tour chez Pépé. Il est encore en ligne, Pépé. Oui, il fait du néon en plus. Vous voyez qu'il en faisait plus. Bon, allez, go Pépé Pizza. Ah, voilà, je lance un petit raid, donc ceux qui m'aiment me suivent, entre guillemets, dites un petit bonjour, puis après, goodbye. Sinon, bah, comme on est vraiment pas nombreux, c'est possible que je raid toute seule. Donc, sinon, bah, bonne nuit, les amis. À bientôt. Bisous. Non, 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 non.